Bonjour cher Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture sentimentale. C'est une lecture générale, si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la lecture de votre signe lunaire qui représente notre facette à nous, notre façon d'être avec nos intimes, dans notre foyer, etc. Ok, ça va parler aux personnes qui sont en couple. Mais aussi, si vous avez un petit crush derrière la tête, là, quelqu'un à qui vous pensez. Et puis pour les célibataires, ça peut parler de la personne qui vient vers vous. Sinon, je ferai de toute façon des tirages spéciaux célibataires très bientôt. On y va, on commence. Votre relation, là où elle en est, eh ben, on a le mat. Tidin. Le mat qui nous explique que. C'est comme si votre relation s'était libérée de quelque chose. Alors, pour certains Capricornes, ils ont quitté le partenaire. D'accord? Il y a eu un partenaire qu'on a quitté. Ok? Peut-être chacun de votre côté, ou carrément, on s'est quitté. Pour d'autres, c'est, et je pense qu'il y a beaucoup ça, c'est comme si on avait libéré quelque chose. C'est comme si la relation partait d'un nouveau pied. Alors, on est sur une prise de risque, on est sur plus de légèreté, on s'encombre moins. C'est comme si on avait passé une étape et qu'il y a quelque chose où on démarre quelque chose de neuf. On se lance dans quelque chose de nouveau. C'est une autre étape. Ça peut être très flagrant pour certains couples, hein. Ça peut être un peu plus subtil pour d'autres. Mais en tout cas, c'est on va vers quelque chose de neuf. Okay? On va vers quelque chose de nouveau, en tout cas, dans cette relation, et on va voir ce que c'est. Votre énergie principale, vous, les Capricornes, c'est le prince de deniers. Vous avez une énergie où vous sentez effectivement que les choses avancent lentement à l'intérieur de vous. Alors, c'est des deniers, c'est la terre, c'est votre énergie à vous, hein. C'est j'aime pas dire un nouveau départ, mais c'est comme si c'était une nouvelle étape. Vous, dans votre vie sentimentale, et que ça se passe de manière tranquille, douce, mais ancrée. Il y a beaucoup d'ancrage avec le prince de deniers, d'accord? C'est comme si cette relation, vous sentiez qu'elle s'ancrait différemment à l'intérieur de vous, peut-être aussi avec votre partenaire et vis-à-vis de lui. On va aller voir lui ce qu'il a. Il a l'inversion, ça correspond au pendu. Et l'inversion, là, dans ce cas-là, c'est que votre partenaire est en train d'essayer de sentir ou de voir les choses différemment. C'est pas une carte d'action, d'accord? On n'est pas dans quelqu'un qui vient dire les choses ou montrer des actions, vous voyez, franc et concret. Non, c'est quelqu'un qui vient, qui dit « je sais pas ». Mais il dit je sais pas parce qu'en fait, il est dans une réflexion, il est en train de voir les choses différemment. Il y a quelque chose, c'est pas négatif du tout, hein, mais c'est quelqu'un qui est en train de voir les choses différemment petit à petit. C'est marrant, j'ai pas l'impression que tout ça soit violent, mais j'ai l'impression que tout ça se fait. Comme si c'était passé quelque chose dans votre relation, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps. Et comme s'il y avait un avant et un après, qu'on glissait gentiment vers une nouvelle façon d'être avec l'autre, une nouvelle façon d'être avec soi aussi. Donc on va aller voir. Vous, Capricorne, les actions que vous menez, c'est l'as de deniers. Encore des deniers, ça vous va bien. Vous êtes sur nouveauté. Voilà, nouveauté. Alors, ça peut être de la nouveauté dans cette relation. Vous voulez que les choses changent, que les choses soient différentes, que vous avez un espèce de regain comme ça pour cette relation. Ça peut être aussi que vous commencez quelque chose de nouveau professionnellement et que ça amène quelque chose en plus dans votre relation affective. En tout cas, vous êtes sur l'idée de semer une graine pour que ça pousse. Donc, vous voyez, vous alimentez, vous nourrissez cette relation. Peut-être avec des choses qui sont très personnelles et qui vous appartiennent, mais en tout cas qui sont nouvelles pour vous. Un nouveau job, etc., etc. Lui, votre partenaire, il est sur le 3 des éclairs. Bon, l'action menée. Alors,
c'est pas tellement une action, le 3 des éclairs. Le 3 des éclairs, c'est un cœur brisé. Pour moi, il y a eu un moment donné où votre partenaire a eu très très peur, où il a eu le cœur brisé, tout simplement, hein, voilà, humiliation, etc. C'est marrant, j'ai pas l'impression que ça soit tellement vis-à-vis de vous, ce truc-là. Alors, peut-être c'est un rapport avec vous, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous qui lui avez brisé le cœur. Ou que ça soit vous qui lui ait fait peur, ou que ça soit vous qui... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est sur une réparation de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu, effectivement, un passé. Je pense que c'est passé, ça. Parce que vis-à-vis de vous, je comprends pas. Soit, effectivement, pour certains, il y a eu rupture entre vous et il a le cœur brisé. D'accord, c'est clair. Soit, c'est quelque chose du passé qui revient. C'est quelque chose du passé qui revient, qui remonte à la surface, vous voyez, et qui est à nettoyer, à purger. C'est possible aussi. On va regarder le conseil après. Le conseil pour vous, encore des deniers, décidément, les capricornes, vous êtes très capricornes, là, dans cette relation, c'est du 2 de denier. Le 2 de denier nous explique que vous jonglez. Le conseil, c'est de vous dire, choisissez pas vraiment, adaptez-vous. Jongler avec les situations. Il est possible que pour certains, il y ait eu rupture ou triangulaire ou etc. Mais là, vous voyez, on vous parle de s'adapter, de savoir jongler, de savoir prendre le meilleur de toutes les situations. D'accord ? Et de laisser de côté ce dont vous n'avez pas besoin. Pour votre partenaire, eh ben, on a le 5 d'éclair. Ça va pas forcément très très fort pour lui, hein. D'accord ? Ou pour elle, pardon, hein. Je dis, enfin, lui, votre partenaire, homme ou femme. 5 d'éclair, c'est le conflit, c'est la guéguerre, c'est je suis pas content. Moi, alors, j'ai l'impression que vous, Capricorne, si ça peut venir de vous, c'est-à-dire que soit vous avez quitté quelqu'un, et voilà, votre partenaire, et qu'il souffre, et qu'il est pas content, et qu'il vous en veut, soit vous lui avez remonté les bretelles et il n'est pas content, ok. Vous avez décidé de faire autrement, autre chose dans cette relation. C'est du style, bah écoute, moi j'ai décidé de... Décolleté. Moi j'ai décidé de voir les choses de telle manière, de prendre un appartement là, de prendre tel boulot et tout, ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est pareil, vous voyez. Comme si vous aviez imposé des choses, vous drivez, et que lui, ça le contrarie beaucoup. Ou alors... Il a des remontées d'angoisse et des remontées de quelque chose, ce partenaire, qui le travaille beaucoup, d'accord ? Qui le stresse et qui le travaille beaucoup. Mais des remontées de situations du passé où effectivement, comme des vieux ancrages, des vieux trucs qui remontent et qui le stressent pas mal. Ça peut être aussi, lui, une vie du passé où vous voyez des liens du passé ou qui ne sont pas tout à fait encore assez passés. Parce qu'entre le pendule, 3 d'éclair, 5 d'éclair, pas jojo, hein. Donc il peut être tiraillé ce partenaire-là. Et du coup, créer quelque chose qui n'est pas simple pour vous du tout, du coup, d'espèce de... Vous voyez, on verra bien. On y va, on verra bien. Et l'étape suivante, c'est pour ça que je vous parlais de triangulaire, pour certains, l'étape suivante, c'est le 3 de denier. Alors, plusieurs choses. Ça peut être, on vous parle de triangulaire et on vous dit, faites gaffe, voyez, mais il peut y avoir ça dans l'idée, hein, surtout de votre côté, dire, ok, vous pensez à quelqu'un d'autre, c'est possible. De l'autre, ça peut être, la prochaine étape, c'est la collaboration et on va aller voir un thérapeute, par exemple, un thérapeute de couple, quelqu'un qui va nous aider, un thérapeute quel qu'il soit, quelqu'un de conseil. Je ne sais pas si c'est un avocat, je ne pense pas, mais c'est quelqu'un qui vient vous aider plutôt, qui vient vous relier, qui vient vous plus vous réconcilier, en tout cas qui vient travailler sur la relation. Et ou parce qu'il y a eu triangulaire à un moment donné ou envie de vivre autre chose, chacun de votre côté à un moment donné, même s'il y a des sentiments amoureux entre vous. Voilà, vous me direz dans vos commentaires. En tout cas, chers Capricorne, je vous laisse. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Et à regarder en bas si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée. J'ai mis tout ce qu'il fallait juste en bas. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.